Dans cette fiche de cours, donc, nous allons traiter donc, de la transformation donc, en chimie organique avec les aspects microscopiques. Donc, la polarisation d'une liaison. Donc, site accepteur, site donneur, c'est ce que nous allons décrire. Donc, l'électronégativité donc, est une grandeur qui est relative, qui traduit donc, l'aptitude d'un atome A à attirer à lui le doublet d'électrons qu'il associe à un autre atome B par une liaison qu'on appelle covalente. Donc là, vous avez le tableau donc, de certaines électronégativités. Donc on voit que le plus fort ici, c'est le fluor. Donc l'électronégativité augmente sur une ligne et qu'elle augmente dans une colonne vers le haut. Donc plus un atome est électronégatif, plus il attire à lui les doublets d'électrons. Donc ça veut dire que si dans une liaison, donc, vous avez donc, des atomes qui n'ont pas la même électronégativité, a priori, il y aura un des deux atomes de cette liaison qui va attirer plus à lui les doublets d'électrons. C'est pour ça que la liaison sera ce qu'on appelle polarisée. Donc une liaison entre deux atomes A et B est polarisée. Donc si les électronégativités de ces deux atomes sont différentes. Donc par exemple ici, donc, vous avez A est moins électronégatif que B. Donc ça veut dire que B est plus électronégatif que A, ça veut dire que B attire plus les électrons à lui que A. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, la liaison AB est polarisée et on peut faire apparaître ce qu'on appelle des charges partielles. Donc ce ne sont pas des charges au sens comme vous les connaissez dans les ions, parce que ce sont des charges, donc le petit delta moins, là, donc vous voyez, c'est un delta, un petit delta moins, ça veut dire qu'il y a un petit excès de charge sur le B et donc par conséquence un petit défaut de charge sur le A. Donc ce n'est pas un plus et un moins, c'est donc un delta moins et un delta plus. Donc j'insiste, ça veut dire que ce delta moins veut dire qu'il y a un excès donc électronique autour de B et qu'ici il y a un défaut électronique autour de A. Donc cette liaison-là, dans ce cas-là, est polarisée. Plus la différence d'électronégativité entre les atomes liés donc, est importante, plus la liaison est polarisée et plus les charges partielles donc, sont élevées. Donc là vous avez des différences d'électronégativité, donc par exemple pour la liaison CH on a 0,4, pour la liaison CO donc on voit qu'on a 0,8, donc le O est plus électronégatif, comme on peut le voir sur le tableau si je vous le montre ici. Donc regardez bien, le O ici a une électronégativité plus forte que le H, plus forte que le C, donc ça veut dire que quand il y a du O, donc le O généralement a des liaisons polarisées, il supporte souvent une charge delta moins. Donc toutes ces liaisons là sont polarisées et on voit que la différence de différence d'électronégativité est beaucoup plus forte pour une liaison OH que pour une liaison CH. Donc par exemple, cette liaison là est une liaison qui est très polarisée. Donc ça veut dire que l'excès de charge sur le O est fort et que l'excès de charge et le défaut de charge sur le H est très fort. Alors que par exemple pour une liaison CH, la différence d'électronégativité est relativement faible. C'est pour ça qu'en première approximation, on dira que les liaisons CH ne sont pas polarisées. Donc à partir de là, on définit ce qu'on appelle donc un site donneur et un site accepteur donc, de doublé d'électrons. Donc un site donneur de doublé d'électrons donc, est un site avec une forte densité électronique. Donc il peut être localisé sur un atome possédant un doublé non liant ou entre deux atomes, donc dans ce cas de doublé liant simple multiple. Donc par exemple, regardez bien ici, l'ion hydrure H-, donc cet ion hydrure H-, donc lui est un ion qui a un doublé non liant ici, donc là il y a une forte densité électronique. Donc là je vous remarquerai que quand j'ai dit qu'il y avait une forte densité électronique, donc H doit faire donc une liaison pour respecter dans son cas, et donc là ici, s'il il a un doublé non liant, ça veut dire qu'il a deux liaisons, donc c'est pour ça que dans cette formule de Lewis il est moins, mais je n'ai pas justifié le fait qu'il soit un doublé donc, d'électrons par le fait qu'il y a un moins, mais par le fait qu'il a un doublé non liant. Là. Donc cette molécule qui est l'ammoniac, N est plus électronégatif que le H, et vous remarquerez qu'il est plus électronégatif et il a un doublé non liant. Donc ça, ici, vous avez ici donc, un site donneur, donc le doublé ici est un site donneur de doublé d'électrons. O est plus électronégatif que le H, donc là vous avez donc une forte densité électronique autour de O, et vous voyez que vous avez deux doublés non liants qui peuvent être donc des sites donneurs de doublés. Pour donc ici cette molécule qui est CH3Li, donc C est plus électronégatif que le lithium, donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est le carbone donc, qui porte une charge partielle négative, donc qui peut dans ce cas-là lui être un site donneur de doublé, donc avec le doublé qu'il y a donc, autour de lui. Vous avez ici donc des alcènes, regardez bien, vous avez donc des doublés, là, vous avez une double liaison, donc par définition de la double liaison, cette double liaison donc est un centre où il y a une forte densité électronique, donc l'un des doublés peut être un site donneur de doublé d'électrons.
Un site accepteur de doublet d'électrons, donc, est un site avec une faible densité électronique, donc, qui peut être localisé donc, sur un atome possédant une charge entière, une charge électrique entière, ou sur un atome d'une liaison polarisée possédant une charge partielle positive. Je rajouterai que pour justifier qu'un site est un accepteur de doublet d'électrons, on ne justifie pas avec le fait qu'il ait une charge électrique partielle. Si généralement il a une charge électrique partielle, c'est une conséquence du fait qu'il ne respecte peut-être pas donc, toujours la règle de l'octet. Donc, par exemple, ici H+ ne respecte pas la règle de l'octet, donc c'est pour ça qu'il est accepteur de doublet. Il est en forte recherche donc, de doublet d'électrons afin de respecter la règle de l'octet. Donc lui, c'est pour ça qu'il est un site accepteur de doublet. Mais pas parce qu'il est. En fait, on ne justifie pas le fait que c'est parce qu'il y a un plus qu'il est accepteur de doublet. Il est accepteur de doublet parce qu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Ensuite, vous avez ici une molécule CH3Cl. Donc, vous avez donc le C qui est moins électronégatif que le Cl, alors que le Cl est plus électronégatif que le C. Donc, ça veut dire que vous regardez bien, vous avez ici donc le C qui est donc un site accepteur de doublet d'électrons, puisque le Cl va attirer donc ce doublet-là très fortement à lui. Donc, ça veut dire que là, il a une forte densité électronique et la plupart de ces doublets du Cl, eux, sont des sites donneurs de doublet d'électrons. Vous avez ensuite donc dans cette formule-là qui est le CH2O. Donc vous avez un C qui est moins électronégatif que le O. Donc s'il est moins électronégatif, il porte une charge partielle. Ici delta plus. Donc c'est pour ça que ça peut être un site accepteur de doublet d'électrons. L'interaction entre les sites donneurs et les accepteurs de doublet d'électrons. Lors d'une réaction chimique, donc l'ensemble des réactions successives qui se produisent à l'échelle microscopique constitue ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Chacune de ces réactions constitue une étape et résulte de l'interaction entre un site donneur et un site accepteur de doublet. Le mouvement d'un doublet peut être représenté par une flèche courbe reliant et dirigée toujours donc du site donneur vers le site accepteur de doublet d'électrons. Et j'insiste lourdement, la flèche part toujours du site donneur et va toujours vers un site accepteur. Donc ces flèches permettent d'expliquer donc la formation ou la rupture de liaison au cours de cette réaction. Donc déjà, je vais être très très clair là-dessus. Le jour du bac, on peut vous demander par exemple une réaction, on la décompose en 5-6 étapes, et on peut vous demander une étape et on peut vous demander de représenter donc les flèches courbes représentant donc le mouvement des doublets d'électrons du site donneur vers le site accepteur. Ça veut dire que vous aurez toujours à mettre des flèches sur les réactifs. Donc par exemple ici vous avez des réactifs qui donnent des produits, on met nécessairement les flèches sur les réactifs puisqu'on veut savoir comment bougent donc les doublets dans les réactifs pour former les produits. Donc ça ne sert à rien de mettre des flèches dans les produits, première chose. Deuxième chose, il faudra toujours que les flèches partent d'un site donneur et arrivent vers un site accepteur. Donc les sites donneurs sont souvent des doublets, qu'ils soient liants ou non liants. Et les sites accepteurs peuvent être donc des doublés ou des atomes. Donc là, par exemple, vous voyez que les ions HO- réagissent avec CH3, donc le bromure, donc CH3Br pour donner CH3OH plus Br-. Donc là, il s'agit en fait d'une substitution, puisque le Br au niveau macroscopique est remplacé par donc, le groupe OH. Et donc dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a ce doublé-là. Donc en gros, la question que vous auriez le jour du bac, c'est comment bougent les doublés pour, avec ces réactifs-là, obtenir ces produits-là. Donc c'est à vous de voir qu'en fait, le Br ici, de cette molécule de réactif, donc on voit bien qu'il est ici, il a été substitué, donc il est parti du CH3, donc ça veut dire que ce doublé-là est nécessairement allé sur le Br pour former Br-, mais cela n'a été possible que parce que un des doublés donc non liants de l'oxygène, qui est ici, donc là, le site, ici, ce doublé-là est donc le site donneur. Le site accepteur est ici, donc le carbone, puisque le carbone, par rapport au, dans cette liaison-là, porte une charge partielle donc positive, c'est-à-dire qu'il a un défaut d'électron par rapport au Br. Et donc, si ce doublé-là attaque donc sur le carbone qui fait déjà 4 liaisons, hein, puisqu'il a déjà 3 H et une liaison là, il ne peut pas faire 5 liaisons, sinon il ne va pas respecter la règle de l'octet. Donc ça veut dire que ce mouvement de doublé là implique que ce doublé là, le doublé rouge ici, va partir. Donc c'est pour ça que dans ce cas là, dans cette flèche là, la flèche en rouge ici, le site donneur, c'est le doublé représenté, le doublé liant représenté en rouge ici, et c'est ce doublé là qui part sur le site accepteur qui est dans ce cas là le lion Br.
Donc ça va former Br-. Autre exemple, donc l'ion cyanure CN- qui réagit en une étape avec le méthanal, donc le méthanal ici que vous connaissez bien, donc CH2O, pour former donc cette formule-là. Donc dans ce cas-là, encore une fois, le jour du bac, comment les doublés bougent ici, donc pour former donc le produit. Donc là, on voit que c'est le doublé non liant de l'ion cyanure qui va attaquer ici donc le carbone. Du méthanal, puisque le carbone, si vous prenez donc le tableau ici des électronégativités, donc est moins électronégatif que l'oxygène, donc ça veut dire qu'il va porter une charge partielle delta plus. Donc s'il porte une charge partielle delta plus, c'est un centre ici, lui, accepteur de doublé. Donc ça, ce n'est possible. Regardez bien, le carbone ici, lui, fait 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc lui, pour l'instant, il respecte l'arrêt de l'octet. Si je lui fais faire une liaison CC ici, qui est celle-là, là, cela n'est possible que si un des doublés ici de cette double liaison va donc dans ce cas-là, un des doublés de cette double liaison est donc un site donneur, et donc il va vers l'oxygène qui, lui, dans ce cas-là, sera le site accepteur pour former ici l'ion et la partie au moins de cette molécule là. Donc encore une fois, si je prends donc là un deuxième document, vous allez voir que ça, c'est, je reprends juste le bilan de l'activité qu'on a fait. Donc pour les sites accepteurs de doublés, dans le cadre strict du programme, ce sont donc les pôles plus d'une liaison polarisée. Donc l'atome le moins électronégatif d'une liaison polarisée, ça c'est un site accepteur de doublés. Ou alors les atomes qui ne respectent pas la règle de l'octet, lequel plus caslique étant le H+. Donc ça, c'est les deux types que vous pouvez trouver pour les sites accepteurs de doublés. Pour les sites donneurs de doublés d'électrons, c'est soit des doublés non liants, soit des doublés d'une liaison multiple dans 99% des cas. Et donc la flèche doit toujours partir d'un site donneur pour aller vers un site accepteur. Donc je répète, les sites donneurs sont toujours ou quasiment toujours donc des doublés non liants ou doublés d'une liaison multiple. Et les sites accepteurs sont soit les pôles positifs d'une liaison polarisée, donc généralement l'atome le moins électronégatif, ou alors les atomes qui ne respectent pas la règle de l'octet. Et ça, c'est l'activité qu'on a faite. Hein. Donc je peux vous montrer par exemple un exemple de ce que vous auriez pu avoir à faire. Non, pardon, là je ne fais pas ce qu'il faut. C'est ça que je voulais faire. Donc, par exemple, typiquement, vous avez ça. Et le jour du bac, on pourrait vous demander quels sont les mouvements ici doublés pour former cette molécule-là. Autre exemple, ce qu'on a fait ensemble, vous avez aussi. Je reprends un autre exemple. Ici, vous avez donc un bilan. Vous avez Là, vous avez le bilan macroscopique d'une réaction. Comment bougent les doublés dans les réactifs pour former ces molécules-là? Et qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Là, on a vu ensemble, par exemple, que dans ce cas-là, il y avait une étape qui pouvait être écrite avec H+. Donc, dans ce cas-là, avec H+, regardez bien, vous avez ces deux réactifs-là qui vont former cet intermédiaire réactionnel-là. Donc là, dans ce cas-là, le doublé, si vous avez ça le jour du bac, donc ça plus ça donne ça, vous devez, vous, l'exercice qui vous sera donné, ce sera de positionner donc la flèche et de justifier quel est le site ici qui est donneur de doublé, le site qui est accepteur de doublé, quand vous avez ça, pour former ça. Je suis bien clair, le jour du bac, vous n'avez qu'à justifier lequel est un site donneur, lequel est un site accepteur, et à mettre la flèche. Vous n'avez pas à deviner les intermédiaires réactionnels. Donc par exemple ici, on voit que si on forme ici cette espèce-là à partir de ces deux réactifs-là, le site donneur de doublé donc est ici l'un des doublés non liants de l'oxygène, et il va attaquer ici donc ce site qui sera un site ici accepteur de doublé, parce que le lion H+ ne respecte pas la règle de l'octet, donc il a un fort défaut électronique. Donc dans ce cas-là, la flèche part de ce doublé, arrive sur le H, donc vous formez cet intermédiaire réactionnel-là. Et étant donné que le O, ce doublé non liant, va faire un doublé liant ici, ben l'oxygène, qui doit avoir 6 électrons autour de lui, n'en a plus qu'à lui, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est pour ça qu'il est plus. Il respecte lui toujours la règle de l'octet, puisqu'il a bien 4 doublés. Alors ensuite, il y a une deuxième étape. Cette deuxième étape.
oui, cette deuxième étape qui est celle-là. Donc une fois qu'on a l'intermédiaire réactionnel, donc on vous donnerait l'intermédiaire réactionnel, on vous dirait qu'il réagirait avec les ions Cl- pour former ça. Donc en gros, ce que vous auriez à faire le jour du bac, encore une fois, ça vous serait donné et on vous demanderait de justifier quel est donc dans ce cas-là le ou les sites qui seraient donc accepteurs et donneurs de doublés et de représenter les flèches. On vous demanderait pas de on vous donnerait l'équation donc sans les flèches et à justifier, à mettre les flèches. Donc là, on voit bien que si on a Cl- ici et que le Cl est allé donc se fixer donc sur le groupe CH3, c'est donc que cette molécule d'eau donc a été perdue. Donc ici, ça veut dire que cette formation de liaison-là s'est formée. Donc ça veut dire que forcément, il y a forcément un doublé non liant de l'ion Cl-, donc ici qui est ici le site donc donneur de doublé, qui a attaqué le C ici, qui sera donc dans ce cas-là, lui, le site accepteur de doublé. Donc le site accepteur de doublé, vous voyez que la flèche, elle part du doublé, elle va vers le C. Et ce C ayant déjà quatre liaisons, si il veut faire une liaison avec Cl, ça n'est possible que si, ici, pour éjecter l'eau, le doublé liant ici entre C et O est allé devenir doublé non liant sur l'oxygène. Et donc ça, donc dans ce cas-là ici, le C, lui, le pardon, le doublé liant et le site donneur de doublé. Et dans ce cas-là, c'est l'oxygène qui est le site accepteur de doublé. Donc là, vous avez généralement, c'est quand on vous demande de mettre des flèches, hein, généralement c'est une ou deux flèches dans la plupart des cas qu'il faut mettre. Encore une fois, les flèches sont toujours mises dans les réactifs. Donc voilà, nous venons lire donc la fiche de cours sur donc la transformation en chimie organique avec les aspects microscopiques. Nous espérons que ça vous